Salut tout le monde, c'est Ryu. On se retrouve pour une vidéo, mais cette fois-ci un petit peu particulière parce que bon, ça faisait un petit temps que je devais la faire. C'est la vidéo de dédicace plus de l'annonce fac. Et je ferai un petit bonus qui est un petit colis que j'ai reçu. Je toucherai un petit mot là-dessus à la fin. Donc ben d'abord, je vais passer aux dédicaces. Alors pourquoi une dédicace? Parce que je suis abonné à des chaînes que j'apprécie énormément et qui m'ont donné en fait le goût de créer ma propre chaîne à moi aussi. Et je me suis inspiré de pas mal d'idées de chez certains, je dois l'avouer, pour pouvoir créer ma chaîne. De plus, ce sont des gens que je trouve très sympathiques. Les gens que je trouve pas trop sympathiques, ce sont des chaînes que j'aime un peu moins. Mais les gens très très gentils, c'est quelque chose que j'apprécie. Donc, en plus, qui font des bonnes vidéos. Et bon, on se fait des petites dédicaces de temps en temps. Donc, c'est à mon tour de faire des bonnes dédicaces et de faire de la publicité pour leur chaîne. Bon, certains n'ont pas besoin parce qu'ils ont déjà énormément d'abonnés. Mais d'autres comme moi qui débutent un peu ou qui ont plus ou moins la même tranche d'abonnés que moi, ben ça pourra les aider tout comme moi d'avoir des abonnés supplémentaires. Alors j'ai fait ma petite liste parce qu'il y en a un petit paquet. Donc l'ordre de préférence, il n'y en a aucun. J'ai fait l'ordre au hasard. Donc bon, on va attaquer avec la gameuse. Alors la gameuse, elle fait des achats collection gameplay comme nous tous. Il y a Yoshi Gamer aussi qui fait ce genre de choses aussi, qui fait ça bien, qui est très sympa. Alors il y a Lovecraft. Alors lui, il fait aussi ses achats, ses collections, tout ça. Mais en plus, c'est un puits de connaissances, je trouve. Tout ce qui est import, etc. J'apprends beaucoup de choses dans ces vidéos, donc je vous conseille, si vous êtes fan de tout ce qui est import, il peut vous apprendre beaucoup de choses. Alors il y a ensuite Exalgame, qui fait pas mal d'achats de jeux vidéo, de mangas, de Blu-ray. Et alors bon, je voulais faire une petite parenthèse, j'ai vu que tu as acheté Gladiator il n'y a pas longtemps en Blu-ray. Pour ma part, c'est mon film préféré, donc je ne saurais que trop te le conseiller. Alors, Kumi Game, j'apprécie particulièrement parce qu'il est fan de Street comme moi et il a une bonne connexion, de bonnes vidéos. J'apprécie particulièrement. Alors, il y a Fade Black qui fait aussi ses achats, ses collections. Alors Claire Gameuse, elle fait beaucoup sur Naruto. J'ai marqué que c'était une fan de Naruto, mais inconditionnelle. Elle fait des super dessins aussi. Je vous conseille d'aller voir ce dessin en accéléré, c'est assez impressionnant. Alors il y a Calpuid, qui est un youtubeur un peu plus connu, qui fait de très bonnes vidéos, qui s'exprime très bien, qui fait des gameplays, etc. Il a fait un gameplay sur Hyrule Warrior dernièrement qui est assez bien foutu. Je vous conseille d'aller voir. Il y a Morganus qui est un gros fan de Sony, quand on voit sa collection chez lui. On voit qu'il est très maniaque aussi, sa collection est super bien rangée. Il a beaucoup beaucoup de jeux. Il est super gentil, super sympa. Je vous conseille d'aller voir ses vidéos. Alors il y a Gorgul Guillaume. Il a une particularité, c'est que quand il fait des brocantes ou des achats, ou je sais pas ce qu'il fait, mais il a toujours des retours de fou. Il va nous chercher des lots assez hallucinants. Je vous conseille d'aller voir ça. Alors, il y a Yo11Yo, qui est assez connu aussi. Pareil, c'est une grosse collection, de bonnes présentations, de bons achats. Et très gentil en plus, il nous dit toujours à la fin jouez bien, donc c'est ce qu'on fait, on joue bien. Alors il y a Momo de Geek TV qui est un ami qui fait sa petite chaîne, je vous conseille d'aller voir. Il y a Christophe Serra,
Même chose, qui est un collectionneur, un retour du grenier, etc. Carolo Gaming, qui est un youtubeur près de chez moi de la région de Charleroi, que je fais un salut particulier. Les trésors du grenier, ben lui, il a une grosse collection aussi. Il nous manque beaucoup ses séries collections, ses achats, assez bien foutus. Alors 1-2-3 pixels avec Dercos qui est super sympa, je vous conseille d'aller voir. Même chose, retour, achat, bon, c'est toujours un petit peu je dirais la même famille de youtubeurs, quoi. Alors on a Gamer Collection, là c'est les deux petits amoureux, eux aussi, je sais pas comment ils font. Quand ils nous font une vidéo, ben, une vidéo de retour ça dure 40 minutes, tellement qu'ils font des achats, et je sais pas où est-ce qu'ils vont trouver. Tout ce qu'ils trouvent, dans les prix qu'ils les trouvent, à mon avis, ils doivent habiter une bonne région ou je sais pas quoi. Alors il y a CatSize qui est youtubeuse qui fait pas mal les greniers aussi et qui s'y connaît bien dans les jeux vidéo, que je vous conseille de surveiller. Et alors il y a Androgyne, c'est les deux filles, Andro et Tagada, qui font pas mal de vidéos aussi, de gameplay. De retour, etc. C'est une des premières chaînes que j'avais découvert sur YouTube. Donc voilà, je vous ai présenté un petit peu le panel des chaînes que j'apprécie particulièrement. Bon, il y en a d'autres hein, que je vois un peu moins, que je suis un peu moins. Mais ça, ce sont les chaînes que je suis principalement. Donc ça, c'était pour les dédicaces. Donc je mettrai dans la description de la vidéo, tous les liens de chaque youtubeur que je vous conseille d'aller voir pour vous faire un avis. Alors, deuxième partie de la vidéo, ben, comme j'ai dit au départ, c'est l'annonce de la FAQ. Donc, la FAQ va commencer à partir du poste de la vidéo. Donc, nous sommes le 21 octobre et je l'arrêterai le 30. Et 1 octobre, donc vendredi prochain, comme ça, ça laissera une bonne semaine et demie aux gens de poser leurs questions. Et alors, le week-end suivant le 31 octobre, donc le 1er novembre et le 2 novembre, je ferai sûrement une vidéo de réponse avec les questions. Donc, là, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Concernant les jeux vidéo ou un petit peu plus privé, mais pas trop privé quand même. Ne me demandez pas quelle couleur je mets comme caleçon, si vous pouvez, mais bon. Donc tout ce que vous voulez comme question qui vous passe par la tête, que vous vous posez un petit peu sur moi. Alors, troisième partie de la vidéo, j'ai reçu, pour moi c'est un grand jour aujourd'hui. Parce que j'ai reçu un colis. Alors c'est un colis spécial, c'est un colis cadeau d'un abonné. C'est le premier colis que je reçois, donc ça me fait super plaisir. Donc c'est un abonné qui, bon, il veut rester dans l'anonymat, donc je ne donnerai pas son nom ni rien. C'est un abonné qui a vu que j'étais fan de Soul Calibur et que j'avais dit dans une vidéo qu'il me manquait le Soul Calibur 2 sur GameCube et que j'avais tous les épisodes sauf celui-là. Et il m'a contacté sur Facebook et il m'a proposé, ben, il m'a dit, ben, écoute, moi je l'ai chez moi et je ne l'ai pas trouvé trop cher, ça me ferait plaisir de te l'envoyer. Donc moi, j'étais un petit peu gêné au départ parce que bon, j'aime pas profiter, c'est pas mon genre de profiter. Et bon, il assistait un petit peu, j'ai dit, ben, pourquoi pas, si ça vous dérange pas, vous pouvez me l'envoyer, évidemment, ça me ferait plaisir. Et j'ai reçu le colis ce matin. Donc voilà, j'ai reçu le petit paquet de la poste. Et j'ai ouvert le colis. Alors, bien sûr, il m'a envoyé Soul Calibur 2, mais bon, moi je dis, s'il m'avait dit qu'il n'y avait pas les notices ni rien, je dis pas grave, il mangeait le jeu. Donc j'ouvre, déjà, je vois la boîte. Déjà, la boîte, elle est vraiment nickel. Comme neuf.
On dirait que le jeu il est neuf à la limite. J'ai ouvert. Et là j'ai vu qu'il y avait bien le CD, qu'il y avait la notice. Mais en plus d'avoir la notice, donc il y a la notice, il y a l'espèce de précaution là, il y a les publicités, il y a même le code VIP, non gratté s'il vous plaît. Donc ça franchement, il m'a mis la totale, comme quand j'achète au magasin, à l'époque parce que je n'en trouve plus. Et franchement, ça me fait hyper plaisir parce que Soul Calibur 2, c'est un de mes jeux préférés. C'est dans mon top 10, top 20 de mes jeux préférés. Et surtout la version GameCube, j'adore parce qu'il y a Link et je trouve qu'il est super bien réussi dans le jeu. Et voilà, donc je vous remercie encore pour l'envoi si vous regardez cette vidéo. Et ça me fait énormément plaisir. Donc voilà, je vous ai parlé de mes trois sujets. Qui était l'annonce FAQ, le petit colis ainsi que les dédicaces de youtubeurs. Je vous rappelle d'aller faire un petit tour dans ces petites chaînes. Faites-vous vos avis, faites des efforts, allez voir, ça vaut la peine. Si moi ça m'a plu, ça devrait vous plaire. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peut-être une petite brocante bientôt. Enfin maintenant le temps commence à se gâter donc ça va devenir un petit peu chaud. Je suis sur la piste pour me procurer un petit appareil de capture pour faire des gameplays, des défis. Je vais peut-être commencer maintenant à vous faire pas mal de vidéos de gameplay, tout ça, ça va un petit peu changer la chaîne. Et je vais voir un petit peu, je vais m'organiser pour trouver le temps, le boulot, tout ça. Donc ben écoute, portez-vous bien, c'était Ryu, on se retrouve la prochaine fois pour une super vidéo comme d'habitude. Portez-vous bien, faites chauffer les consoles, à plus.